Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire africaine, Excellences, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin, Excellences, messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Monsieur le Président du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Excellences, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, accrédités au Bénin, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le Bénin est honoré d'accueillir cette 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, notre espace communautaire et symbole de notre solidarité. En cette circonstance, chers collègues, je voudrais, Excellences, Monsieur les chefs d'État et de gouvernement, vous exprimer mes sincères remerciements au nom du Bénin, de son peuple et des institutions de la République pour avoir répondu à mon invitation, signe de votre intérêt pour la dynamisation de notre espace communautaire. Je vous remercie également pour la confiance placée au Bénin pour assurer la présidence de notre Union depuis janvier 2013. Je souhaite à toutes vos délégations, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation, et à toutes les personnalités ici présentes, une cordiale bienvenue en terre ouest-africaine du Bénin. De même, je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette cérémonie d'ouverture de notre sommet pour souhaiter en ce début de l'année nouvelle à vous-même, à vos familles respectives et à vos vaillants peuples mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité accrue. Mes très chers collègues, depuis notre dernière session, la vie de notre Union a été marqué par des événements importants. En effet, des élections présidentielles se sont tenues en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso, ainsi que les législatives au Bénin. Je voudrais, au nom de notre espace monétaire et économique, adresser mes très vives félicitations à leur Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Effort et Sozima Nsimbi, pour leur brillante réélection à la magistrature suprême de leur pays respectif, ainsi qu'à son Excellence, cher ami et frère, M. Roch-Marc Christian Kabore, pour son élection tout aussi brillante à la tête du pays frère du Burkina Faso.
et les accompagner de meilleurs vœux de succès au nom des institutions de la République du Bénin. Je salue le bon déroulement de toutes ces élections, Monsieur le Président, et saisis cette opportunité pour féliciter les autorités de la transition et tout le peuple burkinabé, Monsieur le Président Rock, qui ont réussi à organiser le dimanche 29 novembre 2015 les élections paisibles, crédibles et transparentes, créant ainsi les conditions d'une prospérité durable qui pourrait impacter notre sous-région. Les échéances électorales qui se profilent à l'horizon, notamment au Bénin et au Niger, contribueront aussi, j'en suis persuadé, au renforcement de la démocratie dans ces deux pays. Cher ami, président Issoufou, tous nos souhaits vous accompagnent et accompagnent tout le peuple du Niger, naturellement. Les mêmes vœux au peuple béninois. Mes chers collègues, au Mali, un accord de paix et de réconciliation nationale a été signé lançant les bases d'une normalisation de la situation. Je m'en réjouis, Monsieur le Président Ibeka, et invite les différents acteurs à tout mettre en œuvre pour le retour définitif de la paix et de la sécurité, gage d'un développement durable pour le bonheur des populations. Une fois de plus, Monsieur le Président Ibeka, je crois nous devons ce résultat à votre rôle de leadership et nous vous en remercions infiniment. C'est donc l'occasion de féliciter le gouvernement de la République du Mali et l'équipe de médiation internationale conduite par l'Algérie pour les efforts ayant permis la signature du dit accord de paix. Féliciter également pour l'organisation réussie de la conférence internationale en octobre 2015 pour la relance économique et le développement du pays frère du Mali. L'évolution positive sur le terrain et les efforts de reconstruction actuellement en cours sont fort encourageants et laissent présager d'un avenir radieux pour le peuple malien. Excellence, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, mesdames et messieurs, en dépit des efforts déployés par notre Union, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la sous-région. Elle est marquée par la recrudescence du terrorisme, la prolifération des armes légères, les enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité, une solidarité profonde et forte entre les États membres de notre Union et l'intérêt des travaux en cours dans le cadre du chantier paix et sécurité dans notre espace. Sous la supervision de mon cher frère ami, le président Macky Sall, président du comité de haut niveau. Dans le domaine économique, mes chers collègues, notre Union continue d'enregistrer des avancées significatives. Le président du Conseil des ministres vient de nous rappeler l'évolution favorable des fondamentaux, notamment en ce qui concerne la gestion macroéconomique, la convergence économique, l'élargissement du marché commun, le renforcement des infrastructures et la mise en œuvre des politiques sectorielles. Les performances économiques récentes réalisées par l'Union avec des taux de croissance qui se situent au-dessus de la moyenne du monde et même de l'Afrique et plus proche de nous, de l'Afrique subsaharienne, mes chers collègues, sont fort encourageantes et nous invitent à persévérer dans nos efforts. Le processus d'intégration de l'Union se consolide et se renforce progressivement, avec notamment la revue annuelle exclusivement consacrée
à l'examen de la mise en œuvre effective des réformes, des politiques, des programmes, des projets communautaires dans chaque État membre. C'est en ce sens que j'ai personnellement tenu, donc sous mon mandat, d'impulser une nouvelle dynamique au processus d'intégration à travers une rencontre en janvier 2015 avec les premiers ministres de nos États. La seconde édition de la revue s'est enrichie des observations pertinentes issues de cette rencontre. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués représentants des chefs d'État, mesdames et messieurs, la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique de développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos chères populations. Nous devons donc encourager résolument toutes les politiques publiques induisant le renforcement de l'intégration de nos États dans la perspective de l'intégration de nos peuples. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres pour leur adhésion à cette revue. Je salue également le leadership des présidents et chefs de nos organes et institutions dédiés à cette performance et qui ont travaillé pour obtenir cette performance. À cet effet, je voudrais donc saluer la contribution efficace des organes et institutions de l'Union à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Je les encourage à poursuivre la synergie d'efforts qui a permis la mise en œuvre efficiente des réformes communautaires. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, le relèvement du défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est fondamentalement primordial dans notre Union. En raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui pèsent sur nos pays, il est impérieux de mettre en commun nos efforts et de mutualiser nos moyens afin de concourir à une riposte collective. Je saisis donc cette occasion pour exprimer en votre nom notre solidarité à tous les peuples victimes du terrorisme. Les terroristes ne réussiront jamais à nous détourner des objectifs que nous nous sommes fixés et pour lesquels nous devons continuer de nous battre pour le bien-être de nos braves populations. Je suis persuadé que nos efforts de développement coordonnés et efficaces peuvent assurer la quiétude et la sécurité de nos populations. Nous devons poursuivre résolument notre marche vers l'intégration des marchés et l'intensification de la coopération dans les domaines clés de l'économie, de l'énergie, des infrastructures, de l'environnement, donc de la sécurité, de la paix, la sécurité alimentaire, pour laquelle je salue mon cher collègue qui joue un rôle de leadership à la tête du Haut Comité. En ce qui concerne la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mon cher frère le président Issoufou de la République du Niger. La question du financement, chers collègues, merci au président Alassane Ouattara pour son rôle de leadership à la tête du Haut Comité en ce qui concerne le financement de tous ces programmes, ces projets et ces réformes. Je n'oublie pas ce que nous sommes en train de faire en matière de l'éducation et de la recherche. Tous ces domaines doivent occuper une place centrale, une place de choix dans la stratégie à long terme du développement de notre région. Nous devons continuer d'avancer avec pragmatisme en soutenant les branches d'activité susceptibles d'approvisionner les marchés régionaux, mais aussi éviter les investissements qui ne seraient pas clairement justifiés par une analyse rigoureuse de perspective des marchés. Nous devons poursuivre les efforts de simplification de nos procédures qui entravent encore les échanges et les investissements régionaux. Nous devons poursuivre l'harmonisation de nos procédures budgétaires
en relation avec la politique monétaire de la Banque centrale, en renforçant les critères de convergence et la libéralisation des mouvements de main-d'œuvre, de marchandises et de capitaux. Mes chers collègues, notre communauté doit renforcer notre marche vers la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par la communauté internationale et nous fixer résolument dans la vision 2063 adoptée par l'Union africaine. Cher Président et représentants des présidents, je voudrais vous dire merci pour cette marche. Notre communauté est maintenant connue. Nous avons fait d'un coup de sein un coup de maître. La police en dirait autant. Nous avons réussi. Notre monnaie aujourd'hui est solide et recherchée dans le monde. Nous avons réussi notre marche dans le domaine de la gestion monétaire et économique. En ce qui concerne la gouvernance de nos organes, je profite de l'occasion pour renouveler en votre nom, chers collègues, les présidents, le président de la commission, de lui et moi, qui joue un rôle de leadership également. Je voudrais également dire que nous avons réussi sur le chemin du financement de nos économies, chers collègues. D'abord, commençons par notre institut d'émission. Je le répète, notre monnaie se porte bien et chaque signe monétaire est couvert par nos disponibilités extérieures. C'est l'occasion, en votre nom, de renouveler nos félicitations au gouverneur Tshiamokó Koundé, à tout le personnel de l'institut d'émission pour cette performance. Car en matière monétaire, je viens de le dire, un coup de serre et un coup de maître. Nous continuons également notre marche vers la consolidation des marchés. Également, l'actif de la Commission, lui et moi, dans le processus de l'intégration de nos marchés, de manière à ce que nous puissions garantir la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Je pense que notre marche vers cet objectif est rassurée, mes chers collègues. Les infrastructures pour connecter, interconnecter nos peuples, nos gouvernements et nos États. Chers collègues, je pense que cette vision, nous l'avons toujours mise en œuvre. Et je vous encourage à aller dans cette direction. Nous avons également ouvert ce chantier qui nous rassure, j'en ai parlé, la question de la sécurité et de la stabilité de nos États. Là également, je voudrais m'en féliciter. La question de la solidarité au sein de notre Union. Nous voulons ensemble et avec nos peuples, vivre dans la paix et consolider notre marche vers la prospérité partagée. Chers collègues, je pense que tous les piliers qui aujourd'hui soutiennent notre marche, une telle communauté économique et monétaire, eh bien, sont encore solides. Et je terminerai, mes chers collègues, pour vous dire, en ce moment où je me prépare à quitter mes fonctions, je voudrais exprimer toute ma gratitude au nom du peuple béninois, à votre endroit, mes chers présidents. J'ai eu l'occasion de travailler à vos côtés tout le temps, 10 ans durant, et certainement même avant les 10 ans, avec chacun de vous. J'ai beaucoup appris. Et je salue votre endurance, je salue votre vision. Et je demeure persuadé que les défis qui nous attendent, nous sommes armés, suffisamment armés, de par le professionnalisme et par la sagesse, que nous allons pouvoir y faire face. Mes chers collègues, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je pense, au moment venu, le peuple béninois saura exprimer à sa manière sa gratitude. Et je le dis devant le président de l'Assemblée nationale, la seconde personnalité du pays et les autres présidents des institutions de notre pays.
Nous vous disons merci. C'est sur cette note d'espoir et d'espérance, chers collègues, mesdames et messieurs, que je déclare ouverte la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en vous réitérant mes sincères vœux de bonnes et heureuses années. Vive l'intégration régionale, vive l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. À présent, nous avons l'honneur d'inviter très respectueusement leurs excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégation, ainsi que les personnalités au podium à se mettre en place pour la prise de vœux. Merci. Sur ce plateau, merci d'avoir suivi cette 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.